Protector's enclave now stands as a symbol of what was once great and beautiful in Neville. En fait, on voulait... J'avais encore oublié le son, comme d'hab, hein, voilà, ça génial. Commence bien. Génial, on parlait voilà. Dans le vide. Donc vous m'avez vu tripatouiller le Tyranno et pour rien. Donc, bonsoir, hein, bienvenue à tous. Voilà. Des soucis techniques comme d'habitude, mais sinon on est toujours content de vous avoir. C'est normal, c'est toujours moi qui mets en place, c'est toujours moi qui fais foirer, c'est normal. Donc ce soir, au petit programme, alors qu'est-ce qu'on a? On a la patch note, donc on a deux patch notes, on en a une qui est déjà parue avec quelques bugs qui ont été corrigés, et notamment un système de fusion. Ensuite, on va avoir la grosse patch note qui vient, vous savez, enfin c'est pas la patch note, c'est la grosse mise à jour, voilà, où il y a énormément de correctifs qui ont été apportés, donc on va développer un petit peu plus ce qu'on vous avait déjà dit dessus. C'est ça, parce que bon, à chaque fois, c'est vrai que nous poser des questions, on vous dit oui, bientôt la prochaine mise à jour, mais on peut pas trop vous donner d'infos, là on va pouvoir aller peut-être un petit peu plus dans les détails. C'est ça, on va pouvoir enfin arrêter de dire prochainement, voilà. ça fait plaisir un peu de pouvoir vous en dire un peu plus. Et la dernière partie, c'est, on va parler un tout petit peu, hein, sans trop spoiler non plus, parce qu'il y aura un aperçu dessus très prochainement, ce sera donc Gantlegrim. Tout à fait. Voilà. Gantlegrim, je sais plus. Je crois que c'est la bonne prononciation, je ne sais jamais. De toute façon, c'est le machin que personne ne sait jamais prononcer, donc on ne vous en voudra pas, vous ne vous en voudrez pas. Hein. On risque de faire quelques lapsus dessus avant la fin de la soirée. Il y a Nexus 37000 qui nous dit déjà, et pour la fonderie, est-ce qu'il y a du neuf? Alors oui, il y a du neuf qui arrive très prochainement, notamment des bugs assez importants qui vont être corrigés. Et de l'ajout de contenu, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir créer vos quêtes, hein. Je pense qu'il y aura des costumes, peut-être des fonctionnalités, mais je ne suis pas sûre. Oui, donc on me fait signe des fonctionnalités, enfin voilà, plein d'ajouts pour la fonderie. Je vous montre notre homme de l'ombre de ce soir, hein, qui voilà, il est en live, Guillaume, tout le monde te voit. Voilà, donc c'est notre ami Galad qui s'occupe de tout ça, que vous pouvez voir sur le stream aussi. C'est sur le chat, pardon, du stream, donc ce sera lui qui fera tourner son banhammer méchamment si vous parlez de manière indécente. Donc faites attention à vous. Et puis aussi qui nous donne les petites informations, vos questions, parce que c'est vrai que la dernière fois on était un peu seul et il y avait énormément de monde sur le streaming. Ça déroulait, exactement. On a été totalement dépassé par le nombre de questions qui passait sur le chat, mais bon, cette fois on est un peu mieux organisé vu qu'on a un prompteur, donc tout devrait mieux se passer. Alors on a une autre petite question avant de se mettre sur la patch note de Urgolf qui nous dit: est-ce qu'il y aura des armures pour les compagnons? Oui, en fait vous pouvez donc il y a des armures en fait pour les compagnons déjà, dans le sens où vous pouvez rajouter des pièces d'équipement. Tout à fait. Il me semble que c'est le coup. Ça dépend en fait, chaque compagnon en fait a ses variables, genre certains c'est deux ceintures ou deux amulettes ou des objets de mage uniquement. C'est important parce que ça les lit pas d'ailleurs, si des objets vous voulez vous passer un alt, vous pouvez les stocker en attendant sur un compagnon, ça considérera pas que ça a été lié. Voilà. Donc c'est une espèce de... C'est ça, c'est un sac supplémentaire. Tiens, compagnon, porte mes pièces. Esclave, porte donc cette ceinture. Voilà. Donc, très bien. Et puis en plus, il y a des skins supplémentaires qui seront disponibles, donc les apparences au fur et à mesure qu'ils prennent des niveaux. Voilà. Pour ça, vous avez déjà eu l'occasion de le voir si vous connaissez. Alors, ensuite, on a une autre petite question De Crowen, toujours fidèle, merci à toi. Y a-t-il un problème avec l'économie Zen Diamant? Les prix ont drôlement changé.
Non, en fait, y a pas de souci avec ça. C'est simplement parce que l'économie, en fait, elle est pas régulée par nous. Enfin, elle est régulée par nous dans le sens où on a mis un maximum pour pas que ça se fasse un peu à la Wall Street non plus. Mais c'est en fait c'est les joueurs qui influencent les taux de change en fait entre les diamants astraux et qui fixent même. Tout à fait, c'est un système d'offres et de demandes. Hein. Donc, Voilà. le plus de gens qui achèteront des zen en échange de diamants astraux ou inversement, ces Exactement. transactions-là feront fluctuer les prix et donc on n'a pas. Plus il y a de zen, plus ça dévalue la valeur Ah, plus il y a de diamants astraux, plus ça dévalue les zen. Enfin voilà, Et ce genre de. inversement. Exactement. Voilà. Voilà. Donc je vais peut-être. On va passer sur la patch Oui, note. tout à fait. Alors, c'est ici. Mais oui, c'est ça, marche bien. Alors, c'était ce. Bon, on a fait une petite bannière, on s'est trippé, parce que je sais pas si vous avez remarqué, la plupart des PNJ du jeu parlent à l'envers. Pas Voilà. la plupart, il y en avait deux ou trois, ça va. Il y en a quelques-uns, bon, voilà, ça a été suffisamment remarqué, on va dire, pour. Voilà. Donc, je vous invite à lire plus, donc c'est ce que l'on a appelé Aperçu du futur, qui est donc basé sur la grosse mise à jour qui va venir. Probablement pour le lancement, et on aura d'ailleurs une autre mise à jour. Là, c'est plus focalisé sur la localisation au niveau du contenu qui sera très prochainement. Tout à fait. Dans tous les cas, beaucoup de personnes se demandent parfois où sont passés les voice-overs du jeu, parce que c'est vrai que si vous jouez en anglais, vous avez Exactement. toutes les quêtes qui sont parler en fait, donc votre PNJ vous explique ce qu'il attend de vous, alors qu'en français ce n'est pas encore le cas, mais bon, toutes les voix sont sur notre serveur de test, et du coup ça sera là très prochainement, donc à la prochaine mise à jour. Ok. Tout à fait. Alors il y a une petite question de Nerdy qui nous Oui. dit il n'y aura pas de nerf sur le rogue. On appelle ça de l'équilibrage, L'équilibrage. monsieur. Ce n'est pas du nerf. C'est ça, nerf est un mot interdit. On parle d'équilibrage. Et d'ailleurs, bah, beaucoup de personnes nous demandent un équilibrage des classes. Donc, je pense qu'on peut dire que. Voilà, donc il y aura beaucoup de. Comment dire de. L'accent sera mis sur vraiment rendre toutes les classes. Jouable et pas en favorisé, ne pas se retrouver par exemple au niveau 60, arriver avec son guerrier offensif et se faire kick parce que ben non, on veut un rogue, dégage. Voilà, hein, comme ça arrive trop souvent. Donc, notamment le guerrier offensif aura beaucoup, lui au contraire, il sera hop, quoi. Vraiment, on a fait en sorte de lui redonner du panache. Le voleur, effectivement, il va être rééquilibré pour ne pas simplement défoncer toutes les autres classes qu'il rencontre à chaque fois, quoi. Voilà. Faudra apprendre à le jouer, entre guillemets. Ce sera pas C'est ça sera là, un peu moins easy mode. ce sera un peu moins bon. C'est bon, j'ai pas besoin de me stealth. Hein, paf, t'es mort, de toute façon, ça me sert à quoi? Non, on a essayé de faire plus un défi de jouer le rogue et que. Il y a plus d'intérêt, que ça demande plus de technicité, que ce soit pas du simple burst de dégâts de fou à la je te one shot, bonjour, au revoir. Non, c'est pas ce qu'on voulait atteindre. On a déjà plein de questions, donc Ah bah donc on là, on va se enchaîner cliquer un un petit petit peu peu. sur la question. Voilà. On a Visoustico qui nous demande quel nouveau style de jeu prévoyez-vous? Type PVP à plus de 5, PVE à plus de 5 également, etc. Voilà, bah alors là je vous renvoie sur la fin de cet épisode où on va parler de Gantlegrim, voilà, qui est effectivement donc du 20 contre 20, avec du PVP et PVE. PVE 20-20, Voilà. enfin 20 et après 40 sur le PVP. C'est ça. Donc voilà, donc du Donc, coup plus de détails un peu plus loin dans le stream. Exactement. Restez branchés. On a ensuite Windal 5 qui nous dit. Est-ce qu'il y aurait des apparitions d'autres instances à notre contenu niveau PVE? Oui, bah du coup, même topo, hein, donc c'est Exactement. grosse mise à jour de contenu, donc ça va arriver. Nouveau donjon qui sera présent dans Gantlegrim en effet. Et on aura également après des nouveaux. De toute façon, il y aura avec le module 1 que vous avez vu par exemple, il y aura des nouvelles zones de PVE qui seront ajoutées avec ça. Oui. Question de Croublanc. Croublanc. Hein? Notre fidèle Coucou Croublanc, Croublanc. voilà. C'était oui, c'était par rapport au Tyranneuil, donc qu'on avait derrière nous, et nous demandait si c'était le boss de la dernière zone. Et oui, regardons-le un petit peu. Non, c'est Notre Bob, cher. mon pet. Voilà. Donc oui, c'est effectivement le boss de la dernière zone. Non.
Non. Je suis désolé. Non, c'est Bob. Donc, le boss de la dernière zone a un nom particulièrement épique, puisqu'il a maintenant été renommé Bob. C'est le nom du MJ sans inspiration. Bob. Hello. Bob le Tyrannel. Exactement. Non, mais ça y est, c'est devenu surnom officiel. On ne pourra plus faire un streaming sans notre cher Bob le Tyrannel. Ah, j'étais pas certain, genre... Parce qu'en anglais, c'est Beholder, donc j'aimais bien Beholdy, Goldy, j'étais pas sûr. Mais bon, bref, je vais pas filoguer là-dessus. Bob. D'ailleurs, Bob, c'était pas aussi le nom de scène de Rémi quand il... Est-ce que tu étais là? Alors attention, pas de spoil. Tu étais peut-être pas là. J'étais là quand Rémi parlait de ses activités extra. Voilà, oui. Tout à fait, donc très bien. Donc on va peut-être pas pouvoir l'appeler Bob finalement. Donc, ouais. Je sais pas. Alors, on a une question de Monsieur Champy. Monsieur Champy plus. D'Amsterdam, probablement. Non, Monsieur Champy plus Mibias. Ah, d'accord. Et donc, oui. Deux personnes. Non, Mibias qui posent, aussi. Qui posent la question. Y aura-t-il bientôt les nouvelles voix parangoniques? Alors, les nouvelles voix parangoniques, pour le moment, elles sont prévues dans le futur, mais bientôt. Alors, j'arrive plus à me souvenir sur la prochaine expansion s'il y en a. Oui, il y en a, ce sera pas dans si longtemps que ça, voilà. Donc oui. C'est ça. C'est peut-être pas la prochaine mise à jour, mais dans tous les cas, c'est... Ce sera effectivement ce qu'on aura. Attends, je vais repasser sur... vu qu'on est en train de parler, je crois. Ouais, c'est vrai. Je vais remettre Bob derrière nous. Vu qu'on a plein de questions. Voilà. Y aura-t-il de nouveaux familiers disponibles? C'est toujours Monsieur Champy qui nous demande ça. Et oui, bien sûr, tout à fait. On continue d'en mettre en permanence. Bah, par exemple, il y avait l'araignée sépulcrale, qui était la toute dernière. On a eu aussi le garde de Neverember qui est arrivé. Après, je sais que j'ai vu tout un tas de bestioles toutes plus mystiques et étranges les unes que les autres qui arrivaient. Je sais qu'il y a un ragarou, un kobold. Enfin voilà, il y a plein de bestioles qui continuent d'arriver, qu'on va mettre au fur et à mesure. Là, pour le moment, on se focalise plus sur la correction du jeu. Pour le mettre de manière à être le plus fini possible et le plus propre, quoi. Mmh. Et après, on va continuer à rajouter au niveau du contenu, au niveau, voilà, au niveau du cash shop, au niveau du jeu en général. Voilà, donc. On va peut-être passer un petit peu là-dessus, parce que il y a vraiment... Je peux me remonter rapidement. Oui, tout à fait. Alors, donc, ce qu'on avait... donc, on a parlé de l'équilibrage des classes. Mm-hmm. Donc, il y a un autre point important, ça va être les meilleures performances d'un protecteur d'enclave. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se plaignait un petit peu de, du lag et des problèmes qu'on avait à ce niveau-là. On a aussi les buffs des compagnons pour les niveaux supérieurs. Oui, du coup, on parlait des familiers, est-ce qu'il y aura de nouveaux familiers, etc. Exactement. Alors, oui, il y aura de nouveaux familiers, et il y aura aussi une amélioration assez significative de vos compagnons, parce qu'actuellement, beaucoup de gens se plaignent qu'ils sont tout à fait inutiles. Parce que forcément... Bonjour, je suis guerrier niveau 15, one shot. C'est ça, voilà, parce que vous êtes niveau 60, et votre compagnon est niveau 20 ou 25, non, et donc voilà, ça, c'est pas très efficace. Mais du coup, alors, ils resteront niveau 25, mais ils bénéficieront d'un espèce de... une espèce de mise à niveau de buff qui les rendront quand même utiles, même dans la prochaine extension qui arrive, donc Grim. Le grand G. Le grand G. Voilà. Le grand G. GG. On n'a qu'à l'appeler GG. GG. Non, ça va pas aller. Et GG. Hein? Donc voilà, c'était pour les niveaux des compagnons. On aura aussi une autre... Enfin, là, on vous fait sur quelques petites choses. Il y a beaucoup. Enfin, vous allez voir... je pense que la mâchoire, vous allez en tomber quand vous allez voir la patch note. C'est ça. Et puis, ma mâchoire va tomber quand je vais devoir la traduire aussi. Parce que... Elle est déjà faite, en fait. C'est déjà fait. Oh, bah, c'est bon. Alors, c'était pas moi. T'es super chanceuse. Mais oui, j'ai c'est pas toi qui ai tapé les 8000 mots qui sont tombés sur... Totalement passé entre les mailles du filet sur cette trame. Il y a Guillaume derrière qui me fait « Merci, connard !» C'était pour moi. On a une question de Drake, alors c'est un peu en aparté, c'est pas par rapport au patch note. Est-ce qu'il va y avoir plus de monde au support du jeu, car ça fait 2 semaines qu'il attend et qu'il n'a toujours pas de réponse? Alors oui, on a beaucoup de nouveaux GM qui vont venir. Il y en a pas mal qui sont toujours en formation. Rémi va être le grand Manitou. Le grand Manitou GM de tout ce petit monde. Et voilà, donc oui, on a du monde qui arrive là, ils sont... Très bientôt, voilà. C'est ça, on va pouvoir réduire ce délai, parce qu'on est conscient, là, pour l'instant, il y a
tout a pris du retard, donc du coup, forcément, actuellement, je pense qu'ils traitent les tickets d'IA peut-être deux semaines. Victime de son succès, voilà. C'est ça, voilà. Donc, mais bon, dans tous les cas. Ça, des fois, ça arrive. On me dit, tiens, j'ai reçu un ticket à propos d'un troll sur le forum. Il est un peu mort le sujet maintenant. Mais bon, pourquoi pas, je vais le bannir, allez. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, on fait tout ce qu'on peut là-dessus. Ça sera réglé bientôt. Voilà. De DGX Faucheur. Alors, question. Savez-vous pourquoi une fois Neverwinter téléchargé sur mon PC, les pixels sont roses et me mettent un code d'erreur? Est-ce que mon PC n'est pas assez puissant? Alors, c'est un fixe graphique, voilà. Ouais, c'est ça par rapport à certaines cartes. C'est ça, ça ne vient pas précisément de ton PC, enfin peut-être, mais dans tous les cas, c'est à nous de faire quelque chose dessus et donc ce sera réglé au prochain patch. Exactement. Donc ce sera réglé bien prochainement, exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'AFK PVP et le kick en PVP. Donc maintenant, il y aura beaucoup de changements en fait sur la manière dont on reçoit des récompenses et dont on peut kick les autres joueurs. On pourra plus kick en PVP hormis si vous êtes mis AFK, déconnecté. C'est ça. Donc c'est fini les gens qui veulent farmer comme ça en se mettant en farmant PVP. Oui, parce que c'était facile en fait. S'il y avait trois personnes qui voulaient AFK dans le BG et qu'il n'y en avait qu'un seul qui voulait vraiment jouer le match. Qui était chef de groupe surtout, c'était ce problème. Oui, voilà. Et puis du coup. Du coup, le chef du groupe choisissait, ah ben non, moi, ce match PVP, je veux qu'il se passe très vite pour gagner facilement mon lot de... C'est ça. De récompenses. Exactement. Et aussi, il y aura les donjons, ce sera pareil. On pourra plus kick aléatoirement de la même manière. Donc, si vous en avez marre de vous faire kick parce que... Pour rien, ou que le chef de groupe veut se garder tous les loots à la fin, ou ce genre de choses, non, ce sera plus possible très prochainement. Donc... Merci d'ailleurs aux devs parce que c'était très chiant honnêtement. Voilà. C'est vrai. Ensuite, le dernier point, c'était les manières de regagner des récompenses aussi en PVP. Il faudra participer aussi pour récupérer des points. Oui. Donc, si vous êtes AFK dans votre base et vous faites rien, vous gagnerez rien. Donc, vous avez juste perdu votre temps à laisser votre perso là. En gros, voilà. C'est ça. C'est pas plus compliqué. Un autre point qui a été amélioré aussi, c'est les files d'attente. Exactement. Alors on a un système en fait sur les files d'attente qui va venir. Déjà c'est aussi un choix en fait pour remplacer les membres en donjon au cas où vous avez une déco. Ah oui ça oui. Et qui est quand même assez sympa dans le sens où ça se basera sur la classe qui s'est déco. Par exemple si vous avez un tank, vous n'allez pas être remplacé par un rogue. Voilà. Ça n'aura qu'un sens. Un cléric qui est parti. Pareil. En gros, le système de recherche de groupe et de file d'attente de groupe deviendra intelligent et vous permettra d'avoir des groupes assez cohérents et qui resteront cohérents même en cas de leave d'un des joueurs. Voilà, exactement. Tous les problèmes qui étaient à ce niveau-là. Donc, ça répond aussi à la question de FireGel62 qui nous disait Please, on ne veut pas se faire kick des groupes. Voilà, donc ça répond à ce qu'on vient de dire. Tout à fait. Parce que voilà, les groupes seront équilibrés dès la base. Donc, du coup, vous ne ferez pas. Exactement. Probablement pas kick parce que vous n'êtes pas clair ou n'importe quoi. Non, ça aurait été un peu chiant. Enfin, c'était déjà le problème. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme amélioration? Ah oui, alors, une petite chose, mais qui fait quand même toute la différence, hein, le bouton changer de personnage. J'en avais déjà parlé au dernier stream, un peu... C'est vrai que tu l'avais un peu spoil en pensant que c'était là déjà. Ah, mais c'est ça, mais parce que voilà, nous, sur les serveurs de test, on peut déjà bénéficier de cette merveilleuse fonctionnalité. Voilà. Et du coup, voilà, j'étais toute enthousiaste et je vous en ai parlé la semaine dernière, mais bon, cette fois, c'est vrai, ça arrive avec la prochaine mise à jour. Plus besoin de déco-reco à chaque fois pour changer de perso, vous pouvez juste le faire avec un simple bouton pour retourner sur l'écran. Voilà. C'est quand même vachement plus simple. C'est clair. L'hôtel des ventes sera améliorée aussi au cours de ce patch. Alors elle sera juste rendue un peu plus pratique en fait au niveau de la recherche d'objets, donc par exemple la qualité des objets qui sera visible directement dans les listes. Exactement, parce qu'il y a du monde qui se plaint des filtres pour le moment qui sont pas forcément toujours super réactifs ou qui sont un peu côté de la plaque des fois. Oui, donc du coup toutes les options de tri sont un petit peu améliorées, rendues plus lisibles, etc. Donc voilà, juste pour le côté confort visuel, on va dire, de l'hôtel des ventes. C'est ça.
Et après, on a quelques petites choses au niveau de l'amélioration de l'inventaire aussi qui viendront du genre ne plus être mis dans votre sac de trop-plein. Oui, voilà, à chaque voilà, fois. Les objets, si jamais vous avez un sac, comment il s'appelle déjà? Pardon, j'ai un sac sans fond. Le sac sans fond, tout à fait. Donc le sac sans fond. Attends, et que. Qu'est-ce qu'il sur le côté? Qu'est-ce qui nous dit Nick? Je ne sais pas. Excusez-nous, hein, on a des infos qui nous viennent de. C'est juste Nick qui nous disait qu'il aime beaucoup la musique dans le fond et que le volume est bien. Voilà. D'accord, bon. Super remarqué, s'il y a une petite musique normalement dans le fond du streaming. Voilà, c'est Bob qui l'a ramené avec lui de sa cave. Bref. Donc, on disait quoi? J'aurais dû nommer le nom de ce tyrannoïde dans Baldur's Gate 2, je me rappelle plus son nom. Ah, je peux pas t'aider. C'est pas grave. Bon. Ouais. Donc peu oui, importe. L'amélioration de l'inventaire, hein, quand vous aurez des objets, ils se mettront en priorité dans vos sacs vides, donc voilà. Par exemple votre sac sans fond, si jamais il y a des places dedans, ils se mettront en priorité dedans, au lieu d'aller se fourrer dans le trop-plein du sac, et après, bien sûr, vous avez des messages d'erreur, comme quoi votre sac est plein, c'est dans le trop-plein, bon, alors que vous avez encore des places dans votre inventaire. Donc du coup, voilà, ça a été réglé. Enfin, ça sera réglé bientôt. Exactement. Alors, il y a Yahoo qui Yahoo. Me dit « Vous avez vu mon énorme pavé de suggestions. » Alors oui, en fait, tous les feedbacks, comme je sais... C'est vrai qu'on répond pas à tout, parce que on a simplement trop de feedbacks. Enfin, on les lit, en fait, en gros, on compile tout dans un document qu'on envoie ensuite à Cryptic, qu'on retraduit, bien entendu, parce que bon, oui. Les devs de Cryptic ne parlent pas français. C'est ça, on pourra envoyer tout français peut-être qu'on veut. Peut-être certains, mais bon, voilà. Donc en gros, enfin, c'est traité de la même manière, puisqu'en gros on les envoie en même temps que nos collègues US, donc en gros c'est global, il n'y a pas de priorité sur ouais ça vient de la communauté française ou de la communauté allemande, ils sont là, non, on s'en fout alors c'est bon, non, y a, c'est traité de la même manière, voilà. C'est ça. Warrior 911 nous demande, est-ce qu'il y aura un tutoriel assez complet sur la fonderie? On a le wiki, voilà. Déjà. C'est ça, le wiki, hein, auquel vous pouvez bien sûr participer, et donc les gens qui sont particulièrement à l'aise avec la fonderie peuvent contribuer au savoir collectif. Et dans tous les cas, on a des articles qui sont en cours d'écriture et de construction pour ce genre de... Ouais. D'ailleurs, petit aparté sur la fonderie, c'est qu'il y a pas mal de monde qui se plaint, en fait, qui se prennent des mauvaises notes quand ils sont mis en feature, parce qu'ils se prennent des notes des joueurs anglais ou allemands, par exemple, qui parlent pas français, qui sont qui est les meilleurs, ne parlent pas la langue, bref... Bref, ça va être corrigé en fait, justement dans ce gros patch, il y aura plus de les langues, ce sera seulement les langues de votre client qui seront affichées et pas celles des autres. Voilà, donc c'est un bug donc qu'on connaît. On s'excuse pour les auteurs qui sont pris des une étoile comme ça, c'est malheureux, mais bon, si vous avez une grosse quête, ça va vous descendre un petit peu, mais ça devrait pas non plus. C'est un petit coup à la fierté, on comprend. Oui, voilà. On compatit, mais ça sera corrigé. Alors, une autre question. Odin95 nous demande, l'hôtel des ventes du jeu français a moins d'options que l'HV en anglais. On n'a pas trop le choix sur les modes avancés pour les recherches d'items. Y aura-t-il un patch à l'avenir pour rectifier cela? Comme je viens de le dire, voilà. Hein, en fait, beaucoup sera... d'améliorations dans le prochain patch sur l'hôtel des ventes. Donc, tu trouveras probablement ce que tu cherches à ce moment-là. Exactement. Elvini qui nous dit, est-ce qu'on aura une maison de guilde? Alors c'est une très 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 bonne idée. Peut-être même qu'on a déjà quelque chose de préparé derrière. C'est ça. Je ne dirai pas plus. Ah mais bon. Voilà, oui, c'est quelque chose qu'on considère très très fortement. Voilà. C'est très très top secret. C'est très très top secret, mais dans tous les cas, on vous en dit pas plus. Voilà. On a une dernière petite question, après on va peut-être pouvoir enchaîner. Ouais, on a Lan Red, qui nous demande, est-ce que vous comptez faire quelque chose contre les bots en PVP? Alors, oui. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait des bots en PVP. Des bots en PVP Je veux dire, c'est le joueur AFK ou des... AFK, ouais, je pense que c'est ça, ou alors... parce que des bots en PVP, je ne vois pas comment un bot pourrait se battre contre un joueur humain. Enfin, hormis faire de l'auto-attaque et enchaîner trois combos, mais... Ouais, non, je ne vois pas trop. Mais bon, dans tous les cas, pour les joueurs AFK, comme on a dit, il y aura des dispositions qui seront prises dans le prochain patch. Exactement. Voilà. Alors, je vais nous mettre sur...
retourner sur l'écran. Donc là, c'est juste une petite aparté sur... parce qu'il y avait, y a eu un petit bug de fusion sur les fusions d'objets. Enfin, pas un bug, un petit exploit sur les fusions d'objets. Donc c'était juste pour faire un aparté dessus avant. Donc déjà, non, il n'y aura pas de rollback, ça vous le savez. Hein, c'est officiel, on a dit clairement, on ne fait pas de rollback sur ça. Ça n'a pas impacté l'économie du jeu plus que ça. On a pris les sanctions directement comme la dernière fois, du ban sur les joueurs qui en ont abusé comme d'habitude, et on reste très strict là-dessus. On a fait disparaître également des comptes pour pas que ce soit redistribué dans le marché et que ça pollue l'économie du jeu. Merci. Et donc l'exploit, c'était en gros, il y avait des personnes qui avaient trouvé, vous avez un pourcentage en gros qui décroît de plus en plus, de fusionner des enchantements ou des runes. Et c'était une personne qui avait trouvé, enfin plusieurs personnes, qui avaient trouvé en fait comment contourner le système, voilà, en faisant croire au jeu qu'ils essayaient de fusionner des runes de plus bas level, en gros. Donc c'est-à-dire que vous aviez des runes de 7, 8 ou 9, level 7, 8 ou 9, avec le taux de chance de... Voilà, d'une rune bas niveau, donc du coup, ça réussissait à chaque fois, ce qui n'est bien sûr pas le fonctionnement prévu. Les 95% de chance quand c'est censé être 1, bon voilà, on n'aime pas trop, on va le dire clairement. Et puis, ça devait être une bonne source de revenus. Exactement. Donc, avant de repasser sur Grand Holgrim, le bon sujet de ce soir, on va parler rapidement de l'auteur de la semaine, qui est donc Céleste Arayon. Donc sa quête n'est pas n'est malheureusement pas sur l'une des quêtes sélectionnées pour cette semaine, parce qu'il avait justement pas soumise. Je l'ai cherché mais je l'ai pas trouvé. Donc Céleste Arayon, si tu nous regardes, je t'enjoins à soumettre la quête et je la mettrai en avant la semaine prochaine ou celle d'après, parce que je vais être en vacances, donc voilà, bref, vous me verrez pas pendant la semaine prochaine. Par contre, on aura un gros invité, je vous spoil pas qui, mais voilà. Soyez là la semaine prochaine, ça risque d'être intéressant. Je suis d'ailleurs bien dégoûté de ne pas pouvoir être là la semaine prochaine. C'est dommage. Mais je pensais retarder mes vacances d'une semaine pour l'occasion, mais bon. Mais c'est ça, mais t'aurais dû réfléchir avant de prendre tes vacances, même si tu je l'ai su qu'après, je les ai longtemps. Enfin bon, bref. Mince, j'ai pris ma vacance il y a 6 mois et je suis tombée pile à cette semaine-là. Donc voilà, la quête, c'est les murmures du néant. Et c'est pour ceux qui sont très fans de Lovecraft, Call of Cthulhu, ce genre de choses, je vous la conseille parce qu'elle est géniale au niveau de l'univers. Et alors, ce qui m'a sidéré, c'est que c'est apparemment la première quête de la personne, et elle est déjà, elle surpasse en qualité des quêtes de personnes qui ont déjà fait 5, 6, 7 missions, déjà des bonnes, quoi. Et voilà, c'était l'ambiance, les dialogues, la réalisation technique. Enfin, voilà, c'est juste à couper le souffle. Et moi, j'ai été vraiment fan, 5 étoiles, tiens, max pour boire. Vas-y, prends tout, diamant astro. Shut up and take my money. Mais oui, mais d'ailleurs, en fait, je pense que c'est pour ça. Peut-être que cette quête, il la peaufine depuis la sortie du jeu, en fait. Et je sais pas ce qu'il a dit, il a mis une centaine d'heures pour le faire, donc voilà, une très grosse ambiance. Oui, c'est assez génial dans le sens où, en fait, ça continue d'évoluer en permanence. Dans le sens où on repasse, en fait, l'action évolue, et le décor, en fait, rechange. C'est plus ça amplifie, c'est une histoire un peu cauchemardesque. Il y a de l'eau qui monte en permanence au fur et à mesure qu'on vient dans les salles. Enfin voilà, c'est vraiment génialissime. Donc je la conseille. Donc je vous le redis, c'est sur le site. C'est l'auteur de la semaine et c'est j'ai encore perdu son nom. Céleste Arayon, non? Céleste Arayon, c'est ça. Merci. Voilà, donc c'est Céleste Arayon. Donc maintenant, on va vous parler un petit peu de Gotelgrim. Alors là, j'ai mes petites notes. D'ailleurs, je vois une petite question. Petite question. Non, en fait, c'était juste. Ah bah tiens, d'ailleurs, ça y est, Guillaume nous l'a envoyé. Prévoyez-vous de faire du contenu HL pour les joueurs PVP et PVE Hard Gamer? Et donc, nous y sommes. Bien joueur, nous en parlons maintenant. C'est ça. Voilà. C'est le sujet de ce soir. Alors, Gotelgrim, donc c'est une instance déjà qui s'atteint au niveau 60. On ne peut pas l'atteindre avant ça. Donc c'est vraiment prévu pour le endgame. Vous pouvez gagner de l'équipement tier 1, tier 2 en fait, à l'intérieur. Et c'est un concept en fait un peu différent des matchs de PVP et PVE classiques, puisqu'en fait ça mixe les deux. C'est ça. Vous avez, donc c'est du PVE-PVP. Une espèce de gros champ de bataille qui regroupe plein d'activités, qui allie les deux aspects du jeu pour... Je te laisse continuer. C'est une
ça parce va. Que je me suis dit, ça y est, là je vais partir, je vais spoiler absolument tout le sujet, donc vas-y, je te laisse continuer. Okay. Donc déjà, pour poser les bases, Gantelgrim, c'est une cité naine qui est très célèbre dans l'univers des Royaumes Oubliés. Si vous avez atteint le niveau 60 dans Neverwinter, elle est mentionnée plusieurs fois dans le jeu. Par exemple, quand vous êtes dans la zone du mont Hotno, vous en parlent. Les nains que vous rencontrez là-bas, donc Delzoun, Gantelgrim perdu, bref. Je vous laisse après lire. On aura une vidéo et un blog qui va paraître très très prochainement. Genre tellement dégoûté que ce soit prochainement que je peux pas vous le montrer maintenant, mais j'aurais attendu quelques jours de plus, j'aurais pu. Voilà, c'est pas grave, j'ai quand même eu le droit de vous en parler. Voilà, on aurait dû pouvoir vous montrer tout ça, mais bon. Voilà. Donc, dans cette cité naine, on s'y rend. Et vous avez en gros deux factions qui s'affrontent, qui sont la guilde de l'Outre-Terre et des Luscaniens. Donc si vous connaissez Luscan, c'est cette mauvaise cité, toujours un peu la... l'ennemi juré de Neverwinter depuis des siècles maintenant. Et en gros, donc, les bandes d'aventuriers ont le choix de rejoindre l'une ou l'autre des factions pour être dans une faction, donc 20 ou 20. Sachant que vous resterez quand même toujours en groupe de 5, si je ne dis pas de bêtises, mais vous avez ensuite une coordination à faire avec les autres équipes. Donc 4 groupes de 5 personnes donc sur une partie de 20. Vous avez en fait dans un premier temps des objectifs PVE à remplir qui vont par la suite ensuite influencer le PVP. Donc ça commence en fait sur une première phase d'une demi-heure qui va consiste à remplir des objectifs sur la carte. Des objectifs PVE. Des objectifs PVE, exactement. En fait, vous préparez la bataille à venir. C'est ça, vous préparez la bataille à venir. Donc, ça aura quand même un certain intérêt d'avoir pas qu'un build et des gens qui sont PVP, mais le PVE, là, aura aussi de l'intérêt. Dans le sens où, selon que vous avez réalisé vos objectifs, vous allez avoir remporté le PVE, et ça vous permet en fait de donner des avantages et de commencer directement avec par exemple une meilleure position de départ, ou un boost par exemple de résistance physique dans la phase PVP. Ensuite, quand on passe sur la phase PVP, donc après donc cette demi-heure, en gros on compte une demi-heure, qui est basée à plusieurs objectifs, ça marche un peu de la meilleure domination, vous avez une barre qui se remplit ou qui se vide, et ça vous permet de... des gens qui nous regardent, attends Philippe. Attends. Voilà. On se fait perturber. Je suis très facilement perturbable, donc s'il y a des gens qui commencent à parler à côté... En plus, en fait c'était mon boss, donc du coup c'était plus à moi d'être perturbé là, en fait, sur l'action. Donc, je disais, on a cette phase de PVP qui arrive. Quand vous la commencez, en fait, elle va être... Donc là, c'est vraiment c'est du vin, c'est une arène où ça se tape, c'est du lourd, ça se tape franchement violemment sur la tronche. Vous avez les groupes, il faut gérer votre action. Ça marche de la manière assez similaire à la domination, puisque vous avez une barre en fait qui se remplit pareil si vous dominez l'autre équipe ou non. C'est ça. C'est plus basé, ceci dit, si je dis pas de bêtises, pas sur le contrôle de la map cette fois, mais sur le score, donc le nombre de tués et ce genre de choses. Donc vous avez plutôt intérêt à pas avec une bande de bras cassés avec vous. Voilà, pour le dire gentiment. Après, sur 20 personnes, il y a quand même un peu moins de chances de tomber. C'est pas comme un c'est match vrai. 5 contre 5 ou si sur les 5. Effectivement, s'il y en a un qui sait pas jouer. Voilà, tandis que là, sur 20 personnes, ça va brasser un peu plus de monde et vous avez peut-être plus de chances de tomber sur. Vous pouvez limite définir quelle équipe fait quoi dans son. Alors, ça demande un peu plus d'organisation aussi, du coup. Exactement. Donc j'ai dit que la zone de PVE début en fait influençait sur le match en lui-même dans le sens la zone de départ buff, mais en fait donc la zone le PVP dure une demi-heure cette fois-ci, et en fait vous avez deux phases qui vont arriver, donc une phase au bout de 10 minutes où vous allez avoir un nouveau défi PVE qui va commencer. C'est ça, donc sachant que ces défis PVE en fait seront totalement en simultané avec la bataille PVP. Donc vous allez devoir gérer en même temps forcément vos ennemis qui vous empêcheront de réaliser le défi PVE et empêcher les ennemis de le réaliser parce que forcément c'est des défis qui vont vous apporter des sachant avantages. Sachant que ça vous aura en gros... Des gros avantages du genre dans la phase 1, c'est tir de catapulte enflammée massif sur ta tronche. C'est voilà, ça. En gros, t'as perdu, c'est pas de bol. Donc ça va rapporter des points supplémentaires et donner un avantage à l'équipe qui a remporté le défi. Donc tout l'intérêt à l'empêcher et vous de réussir. Voilà, donc, il faut pas négliger en fait, c'est des défis un peu
auxiliaires, on va dire, mais il faut pas les... C'est une mécanique qui a déjà été vue dans d'autres jeux, par exemple, je pense, pour ne pas le citer, League of Legends, qui a déjà ce genre de choses de ce côté-là. Ensuite, au bout de 20 minutes encore, on a une autre phase à ce niveau-là, qui va pareil être basée sur du PvE aussi. Donc toujours, de la même manière, il faudra, il me semble, des wagons cette fois-ci qui tombent, des rails de la mine pour aller écraser vos ennemis. Donc voilà, bon, c'est encore pareil, dégâts et avantages à ce niveau-là. Et après, vous avez aussi des mines, en fait, dans la map, qui vous donnent des bonus, en fait, à l'ensemble de l'équipe. Donc ça vaut le coup, par exemple, d'avoir un groupe qui va rester PvE et qui va se focaliser sur buffer, en fait, le reste des trois autres groupes. Voilà, donc diverses stratégies à essayer, et justement, ou à contrer l'autre groupe PvE, par exemple, donc en gros, les jugglers, pour reprendre les termes, voilà, qui vont, donc voilà, donc en gros, on a ce système-là qui arrive, et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je gagne, parce que je vais déjà être level 60, j'ai tout mon stuff, j'ai probablement mon stuff PvP de base que j'ai déjà farmé, pas forcément intéressant. Ensuite, vous gagnez l'accès à la fin à... Une instance. Voilà. Voilà, donc une toute nouvelle instance en fait, enfin deux d'ailleurs. Deux instances. Voilà. Une si vous perdez, qui va être plus courte, moins intéressante au niveau des récompenses. Forcément. Et si vous remportez, c'est le jackpot. Voilà. C'est ça, vous gagnez l'accès donc à une... est-ce qu'on a le droit d'en parler ? On peut pas dire exactement encore le nom des donjons, tout ça, mais voilà, en gros, vous aurez accès à une nouvelle instance directement à partir de là. Guillaume me fait non, n'en parle pas, malheureux. Oh non, c'est interdit. Bon, d'accord, donc du coup, voilà, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à la fin, vous aurez donc deux instances différentes selon si vous êtes du côté des gagnants ou des perdants. Voilà. Et que ça va être génial. Voilà, donc en gros, c'est pour résumer comment se passera Gantalgrim dans les grosses lignes, parce que bon, il y aura plein. J'ai une grosse doc comme ça, là, elle la veut pas. Là, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on vient de raconter. Voilà, mais dans tous les cas, vous aurez des détails très très bientôt. Voilà, restez à l'écoute et vous aurez beaucoup plus d'informations très prochainement. Voilà. On a plein de questions. Donc une question de Shadow Stuffu. Stuffu Shadow. Est-ce qu'il y aura des catapultes? Et pourquoi pas des géants? Et hein? Oui. Catapultes, géants, minerais. Oui, il y a aussi des géants. Il y aura des géants. C'est ça. Ce seront d'ailleurs des. Il y a une des parties PVE en fait, c'est défoncer des géants pour avoir un meilleur point en fait de départ dans une forteresse. Voilà. Voilà. Au lieu de l'un des bouts de la map. Voilà. Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes encore, je vous disais donc. Beaucoup d'aspects stratégiques à ce niveau-là. C'est ça. Alors, je vais répondre. On va peut-être répondre à celle-là parce que je vois que ça tourne beaucoup sur le chat. Ça tourne beaucoup. J'ai beaucoup parlé. Je vous l'ai expliqué. On va répondre plus aux questions maintenant. Voilà. Donc, les gens demandent en fait, mon armure T2 est buggée et fait carton. Sera-t-il réglé? L'orthographe, j'ai du mal. Hein. Donc oui, donc c'est un problème qui est connu, hein, donc qui sera réglé. Je vois, pareil, il y a quand même un skin d'armure Rogue T2, bon, je suppose que ça fait référence à la même chose. Hein. Les objets reçoivent des grosses corrections dans le patch, effectivement. Voilà, dans le prochain patch, vous aurez peut-être des surprises de votre armure. C'est le patch magique, c'est notre réponse à tout. Oui, dans le patch, oui, dans le patch. C'est génial, c'est le joker de la soirée. Mais en plus, c'est vrai. Donc, ça fait plaisir de pouvoir dire là, prochainement. C'est ça. Maintenant. Finalement, on peut vous dire oui, là, ça vient, c'est concret. Aïgaillon, bon, bref, demande est-ce que la fonderie permettra de faire des objectifs secondaires au lieu d'une quête totalement linéaire? Alors, c'est pas possible pour le moment, effectivement, c'est toujours limité. Alors, vous avez la quête linéaire, c'est déjà le cas. C'est possible de faire une quête à choix multiples qui suit deux voies, qui va sauter d'un objectif à l'autre. Vous pouvez diviser vos voies et c'est faisable. Hormis, par contre, pour la résolution finale, effectivement, pour le moment, c'est toujours le cas. Je vais pas dire de bêtises parce que je sais pas honnêtement si ce sera. Enfin, c'est possible à faire, oui, mais je sais pas si ce sera le cas prochainement. Voilà. C'est ça. Y aura-t-il des dragons disponibles dans la fonderie? Oui, bonne idée. Bonne idée, il y a déjà des bébés dragons, mais je pense que c'est toujours la question, est-ce qu'on aura des boss? Est-ce qu'on pourra mettre un tyranno en boss? Est-ce qu'on pourra mettre Bob? Bob. Tu vas aller?
Je vois les Bob. Attaque Bob. Mange les joueurs, mange les joueurs. D'ailleurs, il y a Tux qui dit, je crois que Bob veut me manger, probablement. C'est possible, on l'a pas nourri dernièrement, donc voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il a l'air énervé, là, d'ailleurs. C'est une cuvée de troll qui l'attend. Donc, oui, voilà, donc les dragons dans la fonderie, peut-être. Alors, nous, on voit le contenu arriver, on sait qu'il y a beaucoup de contenu qui est ajouté en permanence à la fonderie, mais on ne peut pas vous dire un dragon, un géant, un tyranneuil, c'est pas le genre d'information qu'on a. On sait que le contenu va arriver. Voilà. Voilà. Notre question de Amenio Benit. Amène le Bénit. Ça a du sens maintenant quand tu le lis. Possibilité d'une double spé PVE PVP. Alors non, il faut choisir son équipement avec soin et sa spé. Ceci ça. Dit, j'ai entendu parler de respé prochainement, donc voilà, sans dire plus. Donc l'armure T2, c'est bon, on a répondu. Peut-on espérer une diminution du lag dans le jeu avec le futur patch? Oui, on a, il y a une grosse partie sur la stabilité, notamment Protector's Enclave, où il y a beaucoup de l'enclave du protecteur. Tu joues trop en anglais, c'est pas bon. Non, en plus je joue en français justement pour me forcer à ne plus avoir ça. Mais Donc à l'enclave du protecteur, on sait que pour l'instant c'est un peu laggy, puis il y a beaucoup de monde. Hein. Donc du coup, mais dans tous les cas, ça a été corrigé au prochain patch. Vous allez avoir des surprises. Okay. Et on a perdu notre prompteur, donc... Ils me disent que son chat a craché. Non, le comprends pas. Soyons bien francophones, mon chat a craché. Bref, non. Bon, Guillaume n'a plus la question, c'est pas grave, je vais me rediriger un petit peu. Ça défile moins que la dernière fois. Oui, vous êtes beaucoup plus calme ce soir. Mais bon, dans tous les cas, on a encore quelques petites questions en réserve. Du coup, voilà, la diminution du lag, on en a parlé. On a Host Darva Karena qui nous demande, y aura-t-il un système de réduction du temps de contrôle en PVP? Un système de contrôle en PVP? Comment ça? Réduction du temps de contrôle en PVP. Je pense qu'il parle des stuns, pardon, et des choses comme ça. Ça dépend de votre classe, en fait. Puisque je sais que, par exemple, le Rogue, il a une skill qui lui permet, de réduire ça, de devenir invincible même, enfin pas invincible, mais immunisé au contrôle pendant quel temps. Mm-hmm. Le guerrier offensif, c'est en faisant sa rage, voilà, donc bon, oui, certaines classes ont cette habilité, c'est que ça. Tout et... long, pardon. Je sais pas. Mais dans tous les cas, comme on disait, il y a un équilibrage des classes prévu pour le prochain patch, donc du coup, il y a peut-être certains sorts de contrôle qui ont été impactés, peut-être réduits. Dans tous les cas, vous aurez les détails dans le patch note qui va arriver très bientôt, vu que des gentilles personnes se sont occupées de le traduire. Un guigui. On a Cal qui nous dit rapidement, Nathan, Tiffen, je vais devoir partir au cinéma avec Nerd 2. Comme mes questions ne sont pas passées, est-ce que vous pouvez me faire un coucou? Coucou Cal, voilà. Voilà, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc voilà, tu peux partir au cinéma tranquillement. on est désolé si toutes les questions ne sont pas passées, effectivement. On essaye de... donner des infos et de répondre en même temps. J'ai trouvé un juste milieu. Voilà, on essaie aussi d'aller le plus vite possible avec vos questions, mais parfois ça demande un petit approfondissement. Il y a mon boss qui n'arrête pas de venir m'embêter. En fait, je vais passer une caméra pour que les gens puissent voir à quel point mais il est. Mais oui, à quel point il y a du passage en fait, parce que la porte est en verre. Guillaume, va le taper, va lui mettre une claque. C'est ça, va. Va le choper. Alors, on a. Toutes ces questions ont été répondues déjà, Guillaume. Un petit refresh. on va se focaliser sur les questions. Alors, on pourra tag à 20 pour la new zone. Alors oui, on pourra faire du groupe à 20. Alors est-ce que tag, je pense, c'est demander si est-ce que vous pouvez vous regrouper à 20. Genre 20 potes et on y va. c'est une bonne question. Très honnêtement, je l'ai pas encore essayé, donc je peux dire de bêtises, je sais pas. Honnêtement, je sais pas pour le moment. Ne prenons pas de risques. Voilà. Je sais qu'on peut le faire à 5, oui. Alors après, à un moment donné, c'est du guild au niveau de l'orientation, oui, je pense. Je pense, mais je suis pas certain, donc je vais pas vous dire de bêtises. On a aussi Pierrot Utalm qui nous demande une évolution sur le craft, la création d'armes par exemple, la possibilité qu'apparaisse le nom du crafter sur la fiche de l'objet.
Ben, je pense que c'est sur le feu, ça. Alors, par contre, le coup du le nom du crafter sur l'objet, je suis pas tout à fait sûre. Pas sûr. Évolution du craft, oui, définitivement. Oui. On a des nouvelles professions qui viendront. Oui. Voilà, donc vous pouvez espérer de voir dans la plupart des autres MMO, on les inclura également. Mm-hmm. Je la vois qui part. Désolé. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, oui voilà, donc du coup, création d'armes, bon, on peut pas trop vous en dire plus, mais dans tous les cas, dans la prochaine grosse mise à jour de contenu, vous aurez de nouvelles professions. Voilà. Les Wellan nous demandent, au niveau des boutiques, un aperçu des skins avant achat, est-ce que c'est prévu? Vous pouvez déjà pour la plupart en fait voir en cliquant dessus en fait, comme pour les familiers, vous avez en fait une vue déjà de comment ça va avoir l'air au lieu d'avoir une simple icône, tiens, je sais pas trop à quoi ça ressemble, c'est déjà dans le jeu en fait, mais après avoir genre un essayage sur votre personnage, je suis pas encore certain, mais normalement oui, ça devrait. Il y a des gens autour, c'est agaçant. Il y a des choses qui se passent autour de nous. Un jour, on fera une petite balade dans les locaux pour que vous voyez un peu tout le monde. Enfin, je veux toujours faire ce caméra et montrer coin de la loc. C'est ça. Bah après, le problème, c'est que quand on fait le streaming, c'est entre 19 et 20h et il n'y a plus grand monde au boulot. Je ferai une vidéo, genre je resterai et je recommenterai parce qu'effectivement, ce sera difficile sinon de le faire en live. Voilà. D'autant que je vois pas comment relier ma caméra pour qu'elle relie en même temps sur le streaming. Ah, ça serait... Déjà que j'ai du mal à foutre le son quand on commence. Oui, ça serait difficile. Ne soyons pas trop ambitieux. On va dire, faut pas trop m'en demander. Du coup, Urgolf nous demande, y aura-t-il des classements de guildes? Oui, on a beaucoup d'améliorations qui viennent au niveau des guildes, du classement PVP, tout ça, en fait, c'est des aspects sur lesquels on réfléchit et qu'on veut implémenter, oui. Donc, il y aura des classements après sur voir qui est le plus OP, qui est le plus grand, qui en a la plus grosse, bref, voilà. qui a tué le plus de gobelins dans toute sa vie, voilà, ce genre de choses, peut-être. Non, Guillaume nous met des réponses, il nous met n'importe quoi. Du coup, on a Hollister. On a une réponse quand même, c'est go cueillir du gui. Voilà, J'ai pas lu la question. Mais la question c'était est-ce qu'il y aura d'autres armes pour les rogues comme les serpes? Ah, maintenant ça a du sens. Donc, oui, des serpes pour cueillir du gui, évidemment. Alors, oui, on a des nouvelles armes aussi qui vont venir au niveau des. Pour chaque classe en fait. Chaque classe est race en fait. C'est un aspect sur lequel, pour plus fluff en fait, bah, par exemple les nains qui sont un peu plus bourrins dans l'âme souvent, qui l'épée longue c'est un peu ta fiole elfe pour eux, voilà. Donc ils aiment de la hache qui coupe et du marteau qui écrase. Et oui, voilà. Donc on a pensé à ça et oui, c'est quelque chose qui est en développement. Tout à fait. Gormarius nous demande, du coup on avait répondu en début du streaming, donc tu nous as probablement rejoint entre temps, corrigerez-vous un jour les bugs sons? Oui. De la fonderie? Bah justement oui, c'est... Enfin je sais pas si c'est bugs sons fonderie. Ah oui, moi j'avais pensé les PNJ, mais... Par contre le bug fonderie aussi est dans le lot, donc il sera corrigé. D'accord. Donc, par exemple pour les auteurs en aparté, pour ceux qui se plaignent qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas de son, c'est bah, justement l'une des choses que le patch magique apportera. Voilà. C'est ça, donc tous les bugs de son, que ce soit les voix des PNJ ou les sons de la fonderie seront corrigés au prochain patch. Voilà. On a Alminor qui nous dit la nouvelle zone sera guild contre guild avec free PVP dans toutes les zones. Donc c'est du 20 contre 20. Pour le moment, j'ai pas demandé à ça si ça se focalisait sur les guildes ou non. Mais c'est quelque chose que je vais répondre et de toute façon il y a le blog qui paraîtra très prochainement. Donc vous pourrez effectivement le lire. C'est ça. On a Hollister TV qui nous demande, y aura-t-il une augmentation spécifique des HP en PVP afin d'éviter les one-shots ou en tout cas un moyen d'y remédier? Alors déjà, c'est simple, on va équilibrer, il n'y aura plus de one-shot, voilà. On ne pourrait plus one-shot les classes. En principe. Oui, en principe, mais bon, là, vu le nombre de correctifs qu'ils ont apportés dans la patch, voilà. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup bossé sur l'équilibrage des classes sur la prochaine mise à jour. Donc, on ne peut pas vous dire très exactement, parce que ça impacte beaucoup de sorts du jeu, beaucoup de classes, dans des proportions plus ou moins importantes. Donc, dans l'immédiat, on ne peut pas vous faire
un récapitulatif de tout ça. Exactement. Mais vous l'aurez dans le patch note. Et donc, pour vous donner une idée, dans tous les cas, enfin, ça reste de l'équilibrage. De peu équilibré. L'équilibrage. Large, voilà, Golden Grim. Quand on est... le grand G. Le Bob, comment vas-tu? Bref. Pardon. Il est ce côté Bob, il faut que j'aille. Oui, oui, c'est... Non. D'ailleurs, qu'il y a quelqu'un qui nous dit, il a une belle tronche Rémi au fond. Mais oui, on voulait c'est Rémi, retour de vacances, comment vas-tu Rémi? Il a beaucoup bronzé, hein, il est tout noir, mais oui voilà du coup... Il a quelques yeux en plus. Hein. Ça par contre, je sais pas à quoi cela est dû. Hein, mais... Tchernobyl. Tu es parti en vacances en Ukraine, très bien. donc voilà Rémi, on te salue, coucou. Alors... Holding 95, il y a beaucoup, avec une belle écriture, trop de Ludvor dans ce jeu, surtout quand, aussi. C'est ça, quand on... quand on ne joue pas en guild, y aura-t-il un patch qui va rectifier le loot pour les attribuer aux bonnes classes et non pas se la faire ninja par n'importe qui? Ah oui, bah du coup, voilà, ça c'est prévu aussi dans le... Voilà, en gros c'est le classique besoin qui va être seulement autorisé pour la classe, voilà. Les autres pourront faire... seulement cupidité. Cupidité, c'est ça. Voilà. Donc le bouton grisé sera le bouton besoin sera bientôt grisé pour voilà. Les personnes qui ne sont pas aptes à porter l'objet en question. Envisage-t-on de pouvoir changer son perso de race? Non. C'est quand même une grosse entrave au roleplay, je pense. Enfin, de passer. Ça dépend. D'un... S'il y avait eu un druide, ça aurait été marrant. Je me rappelle un sort super bon à part tes roleplay. Mm-hmm. Sort super drôle. Tu mourais. Un druide dans ton groupe pouvait te réincarner, mm-hmm. Et tu revenais dans une race aléatoirement. Ah, ça c'est génial. Ah, bon, bref, il n'y a, bon. A pas de sort là, donc je suis désolé. Peut-être qu'on implémentera, si je dis, je vais supposer la suggestion au dev, voilà, une réincarnation par un druide qui vous permet de recommencer, de changer de race. Alors, si vous étiez une elfe de sexe féminin, vous deviendrez donc un gros nain barbu. Voilà, ou un kobold. Ce serait très drôle. Mais bon, non, je pense que quand même, le but était de pouvoir choisir sa classe. Oui, quand même, voilà, c'était... Donc non, pour le moment, il n'y a pas... Vous avez toujours l'option de changer l'apparence de votre personnage avec le magicien d'altération. Merci. Qui vous permet donc de faire ça. Alors, on a une autre question de Kevin99. Voilà. Est-ce que le système d'aggro va être stabilisé? Bien entendu, c'est notamment, on l'a dit plusieurs fois, c'est donc l'un des gros focus de cette patch note, le système d'aggro qui va être pour les prêtres et les guerriers refait. Voilà. On a Crowen qui nous demande si tu as du nouveau par rapport au coffret collector qu'on pourrait peut-être faire gagner aux joueurs. C'est encore attendez encore un peu, c'est toujours en négociation, mais je ne lâche pas l'affaire. Voilà, je ne lâche pas l'affaire. S'il faut, je mettrai le mien en jeu. Ouais, bon. Je regrette ce que j'ai dit. Oh, ouais. On verra. Arrête ou là, pas. Hein. on a tous les gens du streaming qui vont t'attendre à la sortie du boulot, qui vont te dire « File-moi ta Valindra !» On a aussi Ulrine qui nous demande « Est-ce qu'on aura un jour autre chose que de la domination en PvP ?» On vient juste d'en parler, donc voilà. Oui, c'est le cas. C'est ça. C'est Gantlegrim qui arrive très très bientôt. Et pour ceux qui demandent quand le patch magic, quand le Golden Grim, bon, bah, comme on vous a dit, hein, on est très déçus, mais on peut pas vous dire quand. Aujourd'hui. Question aussi de Baltazea, vrai ou faux à propos qu'il n'y aurait plus de fusion de serveurs avec au moins 6 ou 7 points d'interrogation? Il était très interrogatif. Il est très très dubitatif, Baltazea. Alors, vrai ou faux? Alors, vrai et faux, en fait. Vas-y, alors, vrai dans le sens où pour le moment, en fait, c'était un peu la manière, si vous voulez, d'équilibrer, parce que vous avez toujours au lancement d'un MMO, il y a une perte voilà, de joueurs. Au début, c'est toujours l'engouement de fou, tout le monde veut l'essayer, voilà. Là, ce qu'il y a, c'est que bah, ça ne retombe pas, en fait. On s'était dit, bon, bah voilà, il y a de plus en plus de monde qui vient, donc on va pas les fusionner pour le moment, parce que bah, c'est tout simplement... pas possible. Au niveau technique, ce serait l'horreur, quoi. Mm-hmm. Voilà, je vais être honnête avec vous. Au niveau de la surcharge des serveurs, ce genre de choses, non, ce serait pas faisable. C'est donc, ça. Voilà. Déjà que actuellement, ils sont déjà en train d'essayer de régler en priorité les lags que vous pouvez avoir. Bien que ça s'est quand même beaucoup amélioré. Voilà. Donc
Donc déjà, régler les lags, et puis ensuite, une fois que tout sera bien stable, voir pour la fusion. Mais dans tous les cas, c'était prévu comme ça, c'est-à-dire qu'on garderait ces trois serveurs tant que c'est nécessaire. Et donc, pour l'instant, ça l'est encore. Voilà. Notre question de Star Priest. Oui. Y aura-t-il une possibilité pour que les membres d'une guilde se cotisent pour acheter des emplacements de banque de guilde? Oui, la question revient à chaque streaming et à chaque fois on répond que oui, on a fait passer l'information. Voilà. Ça fait partie des c'est juste pas une priorité pour le moment, on a beaucoup d'autres trucs à corriger, mais ce sera quelque chose qu'on implémentera très prochainement dans le futur. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on va arriver sur la fin de notre temps de streaming, donc je pense que c'était une bonne dernière question pour conclure. C'est ça, tout à fait. Et puis, que dire de plus voilà. Restez à l'écoute, on aura demain, bien sûr, bientôt Grand Holgrim, donc qui a plus d'informations. C'est ça. On a donc ce patch miracle qui arrive très prochainement, donc qui va changer énormément de choses dans le jeu. Beaucoup d'équilibrage, j'ai énormément de problèmes. Enfin, c'est notre patch magique. Voilà. Petite question de la fin de Croublanc. Et l'épisode 11, où est-il? Croublanc, arrête de me demander à propos de l'épisode 11. Il a disparu de Twitch. Je peux pas le récupérer, c'est tout. C'est malheureux. Jamais cet épisode. C'est en gros, j'ai envoyé à Twitch, comme j'ai dit, et ils ont perdu. Voilà. Donc, je suis désolé si tu te passais à l'épisode de 1 à 15 maintenant en boucle dans une playlist, il va falloir que tu attendes un petit peu. C'est ça. D'ailleurs, on a Opiat Landerne qui dit qu'il a été mangé par Bob. Voilà. Voilà, parce qu'au début on disait par Chartilifax, mais maintenant qu'on a Bob, je pense qu'on peut l'accuser de toutes les choses qu'on pourrait perdre en fait. Je pense, voilà. Hein, c'est toi Bob, tu l'as bouffé. C'est ça. Hein, voilà, normal. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous demande de Metadon 666. Est-ce qu'on peut avoir un bisou? Bah oui, de Bob. Bob, voilà. Je t'en prie, va donc voir Monsieur Metadon. Hein, et... va lui faire un gros bisou baveux. Voilà. Bon, voilà, c'était pour terminer sur... sur une connerie, comme d'habitude. Voilà. Je vous souhaite à tous donc une très très bonne soirée. Moi, tu veux dire quelque chose de... Non, juste merci à tous pour votre présence et vos questions, hein, dans tous les cas. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Voilà, merci à tous, et puis à la semaine prochaine, pas avec moi, mais tout seul sera probablement là. Trop possible. Ciao, avec un gros invité, soyez là. Ouais, la semaine prochaine.